Le confort thermique fait partie des préoccupations des Français. C'est un sondage réalisé pour l'association Promotelec qui le met en lumière. La rénovation énergétique est donc un enjeu prioritaire alors que les factures d'énergie sont à la hausse. Le chauffage et l'isolation sont devenus les critères principaux de confort devant la surface d'habitation. Ce chiffre a augmenté puisqu'il est passé de 18% en 2013 à 26% en 2014. 11 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique, ce qui signifie que leur facture d'énergie représente au moins 10% du budget du foyer. Aujourd'hui, 72% des Français limitent le chauffage de leur logement pour réduire leur consommation d'énergie. Par ailleurs, une deuxième enquête annuelle révèle que la majorité des Français sont peu convaincus de la nécessité de diminuer leur consommation d'énergie. En revanche, leur opinion change lorsque ces économies d'énergie se traduisent par des économies sur leurs factures, sans pour autant perdre en confort. Les personnes interrogées semblent manquer d'informations. Il est donc nécessaire de les guider vers des solutions qui associent confort et maîtrise énergétique et qui peuvent évoluer dans le temps. S'il fallait retenir un chiffre, sachez que 31% des Français seraient prêts à investir pour réaliser des économies sur leurs factures énergétiques. Une tendance qui pourrait s'accentuer dans les prochains mois avec les diverses aides financières, Prime Excel, l'éco-PTZ et surtout le crédit d'impôt développement durable, véritable coup de pouce fiscal pour les travaux de rénovation énergétique jusqu'en décembre 2015. À bientôt.